Eh bien, maintenant nous allons visiter l'intérieur. Voici la cabine arrière bâbord. This is the port side aft cabin. It's almost a triple berth. Let's say it's a two single berth. Could be modulated to a double and its twin sister. Et voici la même cabine à l'arrière, tribord cette fois-ci, toujours deux lits. Voire trois, on peut un peu conjuguer comme on veut. On est sur une largeur de 70 sur 190 de long. Toutes les deux sont équipées d'un placard et d'une petite penderie. They're both twin sisters aft cabins. Et nous allons nous rendre cette fois-ci vers le milieu du bateau, dans le côté cuisine. The galley on the starboard, equipped with gas cooker, grill, oven, a micro and a little electric stove. This is a 220 volt fridge, frigo 220, celui-ci avec congélateur, ne fonctionne que sur prise de quai comme c'est actuellement le cas. Et une douche séparée et un toilette électrique à côté qu'on va découvrir. You have a shower and a separate heads, electric heads with wash basin. Donc, une salle d'eau indépendante d'un WC pour une double cabine de single. Et là, on monte dans le carré central. We are now in the saloon, in the central of the boat, with a second fridge. That black fridge is actually a 12-volt fridge. C'est un frigo et congélateur qui fonctionne sur le 12 volts, le frigo noir. Un petit tour, on voit l'accès sur le fly. This is the access to the fly. Et cette grande dinette très conviviale et sa table qui est modulable. Poste de pilotage à bâbord et l'escalier qui sort sur le côté bâbord. Porte coulissante, sliding door to the port side. Open hatch, nous avons un toit ouvrant pour l'été, c'est sympa, ça rend la ventilation agréable. Et un lave-linge, puisque ce bateau est utilisé comme pied-à-terre actuellement. Donc, branché sur le secteur, vous avez une vraie maison flottante à quai. Poste de pilotage, bâbord, interior helm, you have the other helm on the aft deck. Voilà, une vedette configurée pour les familles avec beaucoup de monde, puisqu'on peut aménager loger 8 à 10 personnes. Voici le deuxième toilette électrique, second heads, electric heads. And a shower which is being refected, rebuilt. Petite douche secondaire qui est en réfection actuellement. La pompe est en commande et les tuyaux ont été enlevés, mais c'est un travail en cours. Voilà. Et puis à l'avant, alors un peu encombré actuellement puisque ça sert de stockage, nous avons une cabine, alors lit double, qui est sur le côté, qui est dans la pointe du bateau. This is the double berth and this is the twin berth, bunk bed. Et nous voici sur la dernière cabine avec deux lits simples de 4-11. Toutes les mesures se trouvent dans l'annonce. Vous avez les hauteurs sous barreaux et les longueurs des lits dans le descriptif de l'annonce. Donc n'hésitez pas à regarder, elles sont toutes un peu différentes. Un bateau qui a été construit donc en 1993 et jusqu'en 2020, une vie de location mais qui semble ne pas trop avoir souffert. Et depuis 3 ans, entre les mains de propriétaires privés, qui l'utilisent surtout pour les vacances, un peu de croisière sur le midi, et puis en pied-à-terre. Leur activité leur permet très peu de temps, mais quand ils peuvent, ils viennent passer quelques jours à bord, ça les ressource. Voilà, un bateau habitable, grâce à la climatisation que vous percevez là-haut au-dessus de la cuisine, qui ne fonctionne que sur le quai, bien évidemment, qui est réversible. Actuellement, elle donne de la chaleur. Il doit faire 6 degrés dehors, c'est très agréable. Il